gracias. Muchas gracias al Instituto Francés por invitarnos a esta charla y por traer a Benoît Peters, que es posiblemente un autor que, como bien decía Pascal, es difícil de presentar, es bastante difícil de presentar y, de hecho, presentar a Benoît nos llevaría posiblemente esta charla, dos o tres charlas más, porque el trabajo y la vida de Benoît ha sido larga y muy prolífica. Decir muy rápidamente que es una persona que ha realizado trabajos en prácticamente todos los campos de las artes visuales, también en la literatura, desde su primera novela, ya en el año 76, Omnibus, pero posiblemente donde más lo conocemos es en el campo del cómic, de la bande dessinée. Dentro de este mundo de la bande dessinée ha trabajado prácticamente en todas las posibilidades que da el cómic. Ha sido guionista. Hablaremos de él, de su etapa como guionista y de su trabajo como guionista, donde ha trabajado fundamentalmente con François Coyten, con el famoso ciclo de las ciudades oscuras, del cual hablaremos, y que además nos trae también la última de las obras de este dúo creativo, que es Volver a París, editada recientemente por Norma. Ha sido crítico y teórico, y también dentro de esta labor crítica y teórica, aparte de hacer estudios sobre la historia del cómic, sobre fundamentos del cómic como top fair, pues también es uno de los grandes especialistas, como antes nos han dicho, sobre Tintín. Y también aprovecharemos para hablar sobre la figura de Tintín, porque precisamente de las tres grandes obras que antes nos comentaban, pues una de ellas ha sido editada en castellano por Confluencias, y eso nos permitirá entrar un poquito en el concepto de Tintín y todo, pero también ha trabajado como editor a través de Les Impressions Nouvelles, una editorial importante, tanto desde el punto de vista teórico como por los autores que ha publicado, como Aurelio Arita, como The Case, de Martin Vaughan James, que es una de las obras más importantes de la experimentación del cómic americano. Ha trabajado también haciendo exposiciones, ha sido diseñador de exposiciones, es decir, prácticamente ha tocado todos los campos que se puedan tocar del mundo de cómic, ha hecho cortometrajes, largometrajes, documentales, ha hecho incluso fotonovelas, es decir, digamos que es un hombre completo de las artes visuales, en el sentido más extenso que podamos decir. No me quiero extender más porque, como digo, podríamos estar horas hablando de la labor. Hoy venimos aquí a hablar con Benoît fundamentalmente de dos de sus campos de interés. Por un lado, su interés como teórico por la obra de Hergé, de Tintín, y por otro, su labor como guionista, su labor creativa a través de las ciudades oscuras. Y yo creo que vamos a empezar por cuestión cronológica, con Tintín, creo que también por el tema del icono ya que es el personaje, una obra que evidentemente no hace falta presentarla, pero sí recordar que es una obra curiosa, en tanto en cuanto es un icono ya de la cultura popular europea, pero recordemos que de los 24 álbumes que salieron de Tintín, que han aparecido de Tintín, de 1929 a 1976, prácticamente todos aparecen antes de los años 60, con lo cual es una serie que en los últimos 50 años ha construido toda su iconografía, ya prácticamente cuando la serie no estaba en funcionamiento. Y en ese sentido yo creo que para empezar a hablar de Tintín y también de Hergé y focalizar un poquito en la vida de Hergé, yo le plantearía a Benoît una primera pregunta, que sería hablar de este triángulo curioso que tenemos entre Tintín, Georges Remy y Hergé. Claro, la pregunta sería, ¿cuál es la mayor creación de Georges Remy, Hergé o Tintín? Il y a d'abord eu la création d'Hergé par Georges Remy, que nous voyons ici enfant. Il est né à Bruxelles en 1907. Il a connu la Première Guerre mondiale avec une situation difficile à Bruxelles. Il se met à dessiner beaucoup dès l'enfance, pas en suivant des cours sérieux de dessin, mais vraiment en dessinant déjà sous forme de caricatures, de dessins amusants, de petites séquences. Ici, nous le voyons adolescent, au moment où il se forge ce pseudonyme. Georges Remy devient G.R., on permute les initiales, R.G., qu'il va écrire pour réserver son véritable nom au moment où il serait assez bon artiste pour publier sous le nom de Georges Remy, ce qu'il imagine être plus tard des peintures, mais en réalité, il gardera toute sa vie la signature Hergé, même quand il cessera à la peinture.
Et le scoutisme est très important parce que le scoutisme, qui représente d'abord l'aventure à ce moment-là, dans les années 20, il est né, lui, dans un milieu très modeste, il n'a aucune occasion de voyager, il a peu d'occasions de contact culturel. Le scoutisme, c'est un premier apprentissage. Nous le voyons ici au centre de cette image, scout tardif, mais scout dessinateur surtout, et même connu par ses compagnons et par ses chefs comme le scout qui dessine. Et c'est dans une revue scout qu'il commence à publier. Alors on peut remarquer par exemple sur cette image qu'il est très intéressant de voir Hergé dessiner le lettrage, forger sa lettre, ce sera une caractéristique très forte, et composer l'image. Le dessin lui-même n'est pas extraordinaire, mais la manière de composer la couverture dénote des qualités qui se révéleront dans son travail publicitaire pendant la fin des années 20 et les années 30. Et puis donc c'est dans le cadre scout qu'il va publier l'ancêtre de Tintin, Totor. Et Totor, pour ceux qui connaissent les albums par exemple de Christophe, comme Le Sapeur Camembert ou La Famille Fenouillard, s'inscrit tout à fait dans cette tradition. C'est-à-dire qu'il y a encore très peu de bulles et le texte est sous l'image. Mais Hergé, qui a été nourri par le cinéma muet, va évoluer très rapidement. Il entre dans un journal, un quotidien très catholique, très conservateur à Bruxelles, qui s'appelle Le XXe siècle. Et là, le directeur du journal, l'abbé Wallet, qui est un personnage haut en couleur, très marqué à droite, admirateur de Mussolini, voit les dessins d'Hergé et lui fait confiance et lui suggère très vite de créer pour les pages enfantines son propre personnage. Et non seulement il lui suggère de créer son propre personnage, mais il lui demande aussi d'être un peu l'illustrateur tout terrain du journal. Et voilà l'affiche que Hergé dessine. Alors c'est amusant de voir une affiche très moderniste, très art déco dans sa conception, pour un journal dont l'idéologie est très réactionnaire. Et il y aura dans les années 30 toujours un petit peu ce battement. Créer de la bande dessinée dans une forme moderne, mais dans un journal au contenu très classique. Et au début, l'abbé, il est presque le co-auteur de Tintin, parce qu'il suggère à Hergé de créer son personnage. Hergé pense tout de suite à un petit reporter, parce qu'Hergé rêve de voyager, il n'a pas l'occasion de le faire, mais il n'a pas l'occasion de partir au pays des Soviets, où l'abbé veut qu'il parte, que son héros parte pour fendre les bolcheviks, montrer comme ce régime est intrinsèquement abominable. Donc il lui colle un livre dans les mains, et Hergé va s'en inspirer, mais en même temps, les premières pages, ce qui nous frappe, c'est leur côté très maladroit, très rudimentaire. Aujourd'hui, si un auteur de bande dessinée apportait ça, aucun éditeur n'en voudrait. Mais Hergé a créé ce Tintin qui va l'accompagner toute sa vie en quelques jours. Il est vrai qu'il progresse très vite. Vous voyez ici cette page, c'est déjà très remarquable. La manière dont la voiture est stylisée, le dynamisme qui est là, les moyens de transport. Et dans Tintin au pays des Soviets, on a déjà un petit peu la confrontation entre l'idéologie, qui est le message que son directeur veut lui faire assumer, et la modernité. Et la modernité, elle est là notamment dans ce goût de la vitesse, du sport, et même la houppe de Tintin, la fameuse mèche de Tintin qui va le caractériser, vient de la vitesse. C'est dans cette voiture que Tintin a la houppe qui va le définir. Et puis même politiquement, parfois on critique beaucoup Tintin au pays des Soviets, mais quand on le relit, sachant que ces années où Hergé dessine, 1929, 1930, sont en même temps celles où Staline s'impose, on se dit qu'il y a des choses pas si mal vues. Et par exemple, cette scène des élections truquées, où les gens vont voter sous la menace des revolvers, elle est très belle, je trouve, parce que presque tout se joue visuellement. Il n'y a pas de discours. Tintin et Milou, derrière la haie, assistent à quelque chose. Et en fait, on voit les regards qui s'affaissent peu à peu dans ce plan qui est repris, ce plan panoramique qui est repris. C'est déjà une confiance dans le langage de la bande dessinée. C'est très caractéristique du premier Hergé, qui est quelqu'un qui va vraiment codifier la bande dessinée avec tellement de force et très tôt dans ses premiers albums en noir et blanc que beaucoup de, on lui est redevable sur beaucoup de points. Par exemple, Tintin paraît d'abord en feuilleton, mais en même temps, on va créer tout de suite un album, ce qui n'est pas du tout une chose évidente à l'époque. Et non seulement on va créer un album pour cette première histoire de Tintin, mais un tirage de tête numéroté de Tintin au pays des Soviets, 500 exemplaires. Alors déjà, les exemplaires de l'édition originale de Tintin au pays des Soviets sont rarissimes, mais alors les exemplaires numérotés signés, j'en ai vu un dans ma vie, ils étaient signés non pas par Hergé, puisque personne ne savait qui c'était, et vous remarquez que son nom est à peine présent, il est présent en tout petit dans le bas de l'image, sur la droite, on ne voit pas Hergé. C'est Tintin
Émilou qui signe ses exemplaires et Hergé signe Tintin. Et celle qui va signer Milou, c'est la secrétaire de l'abbé qui va bientôt devenir la fiancée d'Hergé. Et c'est assez touchant. Elle me racontait qu'elle avait essayé de trouver une petite signature de chien. Voilà, vous pouvez vous entraîner à trouver une petite signature de chien chacun. Alors la signature est très tremblée. Les chiens tremblent beaucoup en signant parce qu'ils n'ont pas une grande habitude. Mais ce qu'elle ne savait pas, pour donner une petite anecdote, c'est que Milou, c'était le surnom de la première petite amie d'Hergé. Et les parents de Milou avaient demandé à cette adolescente de rompre avec ce garçon qui ne faisait que dessiner sur les nappes en papier et qui n'avait donc aucun avenir. Mais donc Hergé s'est souvenu de ce prénom et sans doute que Germaine, sa future femme, ne savait pas ce qu'elle faisait avec sa petite signature de chien. Voilà. Ya en esta primera obra vemos muchas muchas cuestiones muy novedosas para el momento. Estamos hablando de una obra de 1929, donde vemos por un lado la influencia del cómic americano, cosa poco habitual en este momento, porque vemos ahí una influencia gráfica importante, por ejemplo, de Joe McManus a través de Bringing Up Father. Vemos también un planteamiento narrativo diferente ya al que se estaba haciendo en el cómic francés de la época, posiblemente, y también una concepción de la obra completa, como has dicho antes, que ya prácticamente es este concepto que hoy llamamos novela gráfica, ¿no? Un relato completo, un relato largo, pensado como tal desde el principio, et qui establecen, comme bien decías, muchos puntos. Pensé comme tel, je ne suis pas sûr. Je pense que c'était du feuilleton, avec une grande part d'improvisation au début, mais qu'Hergé retombait intelligemment sur ses pattes. Sí, es sorprendente cómo tiene esa coherencia, pese a que va por episodios, evidentemente tiene esta caracterización episódica, pero en todos esos sentidos, pese a ser una obra de debutante, es una obra muy novedosa para... C'est un très jeune homme, hein. Il a 22 ans quand il fait Tintin au pays des Soviets et 23 ans quand il fait Tintin au Congo, qu'on lui reproche quelquefois, mais qui est extrêmement doux par rapport à la réalité de la colonisation belge et à même à la propagande qu'on lisait à l'époque. Simplement, toute cette propagande a disparu depuis longtemps, alors que Tintin au Congo est toujours là et donne naissance régulièrement à des polémiques. Sí, claro, deberíamos siempre contextualizar en el momento de la creación, evidentemente, porque estamos hablando, como bien decías, TVOs, cómics del año 29, del año 30, donde lo que representan realmente es la situación social del momento. Y también lo que vamos a ver en la evolución de la serie de Tintín es la propia evolución de la ideología de Hergé, que tiene una evolución muy rápida ideológicamente desde estos primeros álbumes. Oui, la capacité d'Hergé va être très vite, peut-être des Tintins en Amérique, dont il choisit le sujet... de s'écarter d'abord un petit peu, puis beaucoup plus franchement, de l'idéologie du journal et de la propagande, d'abord de laisser l'aventure et l'humour passer au premier plan, d'oublier de plus en plus les messages strictement politiques, mais aussi de s'affranchir des idées de son milieu. Alors, dans Tintin en Amérique, on est frappé déjà par les progrès graphiques, la maîtrise narrative, cette lisibilité qu'on voit dans une page comme celle-là, concentrer finalement la performance graphique sur une seule case, nous donner ce sentiment de vertige, et pour le reste un Tintin qui n'est pas encore le jeune homme sage qu'on connaîtra par la suite. Le premier Tintin, il a des petits côtés que reprendra le capitaine Haddock par la suite. Ici, il se comporte face aux gangsters de Chicago un peu lui-même comme un petit gangster. Il n'a pas peur de manier les armes à feu, de ruser, etc. Mais ce qui me frappe le plus, c'est la liberté dont témoigne Hergé dans le traitement de la bande dessinée. Ici, c'est une séquence célèbre où on voit les Yankees chasser les Indiens de leur terre, où on vient de découvrir du pétrole, et une ville s'édifie en quelques heures. Et le jeu des ellipses permet à Hergé de raconter beaucoup en une seule page. Dans l'édition couleur, aujourd'hui, c'est une demi-page. Ceci. Et pourtant, c'est toute une ville qui se bâtit et tout un gag qui arrive à la fin. Ou regardez ici l'intelligence dans l'organisation de la page. Quelquefois, les éditions couleur ont masqué certaines de ses qualités de composition, dignes du roman graphique, où Hergé se pose la question, comment rendre clair le fait qu'on grimpe un escalier alors qu'on est dans une page où le mouvement de l'œil va nous faire descendre.
En fait, nous devons lire de gauche à droite et de haut en bas. Or, nous avons véritablement l'impression que Tintin monte continuellement. C'est extrêmement habilement fait et c'est d'autant plus admirable que ce sont des codes que beaucoup d'auteurs vont reprendre, mais que Hergé ne pouvait les reprendre chez personne, parce que même la bande dessinée américaine ne fonctionnait pas tellement sur ce type de mouvement et d'organisation, ou alors dans des chefs-d'œuvre comme Little Nemo de Winsor McCay, mais que Hergé n'avait jamais eu l'occasion de voir. Donc, où il invente des codes, où il les réinvente. Et puis, donc, une fantaisie qui va lui faire créer des nouveaux personnages, là, dans les cigares du pharaon, avec des personnages qui ne s'appellent pas tout de suite Hernandez et Fernandez, Dupont et Dupont, mais qui sont au début X-33 et X-33 bis, et qui inconsciemment, c'est une photo, je suis assez fier, c'est une photo que m'avait donnée la première épouse d'Hergé, Germaine, qui représente les parents d'Hergé sur la droite et l'oncle d'Hergé qui était le frère jumeau. Donc il y avait Alexis et Léon Remy, deux frères jumeaux qui toute leur vie sont sortis ensemble, allaient au café ensemble, s'habillaient de la même façon, s'achetaient leurs chapeaux et leurs chaussures au même endroit et qui tout à la fin de leur vie, comme deux vieux messieurs continuant à aller boire leur petite bière le soir dans les bistrots bruxellois, étaient connus comme ceux qui font les Dupont. Or Hergé assurait qu'il n'avait pas pensé à eux au moment où il a créé les Dupont. Mais évidemment, à un moment, ça a dû le frapper, en tout cas sur cette photo qui a été prise sans intention, c'est assez frappant. De hecho, es curioso que, por ejemplo, hay algunos autores como Philippe Remin qui han hecho una relación entre la familia d'Hergé y los personajes de Tintín. Comentaban, por ejemplo, de hecho, que Dupont y Dupont son su padre y su tío, que la Castafiore podría ser la condesa que acogió a su abuela, e incluso hay el hecho de que Milú, evidentemente, es su novia, como decías antes, pero incluso comentan la posibilidad de que el capitán Haddock sea el propio Hergé. ¿Cómo ves tú esta correlación entre los personajes? Un morceau d'Hergé, oui, oui. Il y a quelque chose d'éminemment personnel dans l'œuvre et c'est une des choses qui la rend très touchante puisque, au fond, c'est une époque où la bande dessinée n'est pas considérée et où il n'y a pas de critique, il n'y a pas de spécialiste et Hergé travaille au départ pour les enfants. Puis peu à peu, il se rend compte que les parents lisent aussi les premiers Tintins, il va y mettre des petites allusions, mais surtout, il ne la considère pas comme un art mineur. Il la considère vraiment comme quelque chose de sérieux et d'important, et il se passe au moment où Hergé est encore un très jeune homme, une rencontre tout à fait extraordinaire qui est due à Tintin, c'est la rencontre avec un jeune étudiant chinois. Donc Hergé a décidé d'envoyer Tintin, non pas seulement en Orient, mais en Extrême-Orient, après l'Égypte et l'Inde, il va aller jusqu'en Chine. Hergé reçoit une lettre d'un abbé, encore un abbé, qui est l'aumônier des étudiants chinois de Louvain, une grande université en Belgique. Et cet abbé lui dit, faites attention, vous allez décrire la Chine, faites attention à la manière dont vous l'évoquez, parce que si ce sont tous les clichés sur les Chinois, les supplices chinois, les longues tresses, etc., vous allez blesser. Et en plus, la Chine est dans une situation très difficile. Hergé pourrait répondre qu'il ne travaille pas pour une vingtaine d'étudiants chinois à Louvain, qu'il travaille pour un public d'enfants. Mais non, pas du tout. Il a déjà lu plusieurs livres sur la Chine, il s'est déjà intéressé à la Chine, et il dit, mais si je pouvais rencontrer un de vos étudiants, ça me permettrait de progresser. Ça va être évidemment un moment extraordinaire, non pas seulement dans l'œuvre d'Hergé, mais dans l'histoire de la bande dessinée, que cette amitié entre Hergé, ou Georges Remy, un peu les deux, et ce jeune étudiant, Chang Chongzhen, qui est un étudiant aux Beaux-Arts, et une grande amitié va les lier pendant plus d'un an. Chang vient tous les dimanches travailler avec Hergé, lui raconter la Chine, lui raconter l'invasion japonaise de la Mandchourie, la situation de Shanghai, sa ville, mais aussi lui évoquer la tradition du dessin chinois. Il lui offre des petits manuels de peinture, des pinceaux que Hergé gardera toute sa vie. Et c'est une leçon extraordinaire parce qu'au fond, Hergé, qui n'a pas l'occasion d'être confronté à d'autres civilisations, tout d'un coup se dit « j'ai une responsabilité, je ne peux plus présenter un pays, que ce soit la Chine ou un autre, avec les clichés eurocentristes. » Et donc, il va intégrer Chang à l'histoire. Leur rencontre, leur amitié devient un élément clé. Il va présenter la situation politique
de Shanghai et de l'invasion de la Mandchourie de manière tout à fait sérieuse. Ça rentre aujourd'hui dans les manuels d'histoire. Et du coup, sa bande dessinée passe vraiment au stade du roman graphique. Elle passe vraiment à un nouveau stade, puisqu'il y a une volonté non seulement d'amuser, mais de traiter avec respect un sujet et de considérer le voyage comme un élément important. On voit aussi le dessin progresser, s'affiner, se nourrir de détails. Tous les idéogrammes chinois qui sont présents, qui constellent l'histoire, ont été tracés par Chang et tous ont un sens. Par exemple, vous allez voir que je manie le chinois assez facilement. Sur la droite, on peut lire « Acheter les ampoules Siemens », marque importante, déjà bien connue. Et à gauche, « Boycotter les produits étrangers ». Et donc c'était extraordinaire parce que qui pouvait lire ces inscriptions, qui pouvait décoder ces finesses? Très peu de gens, mais aujourd'hui les albums de Tintin sont traduits en Chine et les Chinois les adorent et peut-être que le Lotus Bleu a été leur porte d'entrée à cause de ça. Les Japonais aiment un petit peu moins Tintin. Et donc le dessin s'affine, on sent qu'Hergé a profité des leçons de Chang dans... Les dessins de bambou qu'on voyait dans le petit manuel, il les reprend, il les reproduit, il suggère la Chine avec trois fois rien. Et c'est l'invention de ce style qu'on appelle la ligne claire et qui consiste au fond à ne rien avoir d'inutile, mais en même temps à ce que tous les éléments présents signifient. Il y a bien sûr une recherche d'harmonie, d'élégance, de pureté qui se remarque dans une case comme celle-là, qui fait l'admiration des spécialistes d'Hergé, mais qui vraiment est comme un tableau. Elle est magnifique, mais en même temps, cette case, elle est totalement narrative. Elle exprime la Chine à travers les bambous et la théière, mais elle conduit notre regard à travers la fumée qui s'envole de la tasse vers le visage mystérieux caché derrière la fenêtre. Et ça, c'est tout l'art d'Hergé, c'est-à-dire... construire son image, par exemple ici la construire avec cette table noire qui lui donne une assise très forte, mais ne rien ajouter qui soit accessoire. À la fin de la vie d'Hergé, avec l'intervention de son équipe, les studios, ça changera, le style changera. Mais ici, Hergé fait tout seul et il atteint un langage que beaucoup de dessinateurs, même dans les jeunes générations aujourd'hui, et en Espagne, je sais que vous avez eu une exposition Linea Clara à Valence, beaucoup de dessinateurs restent impressionnés par cette économie de moyens. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette belle case, elle n'est pas un tableau, elle est là pour exister au milieu d'une page qui est complexe. Et il faut qu'un enfant puisse décoder immédiatement l'information, ce qui n'empêche pas un adulte ou des critiques d'art d'en admirer la beauté. El encuentro con Chang es fundamental en la vida de Hergé, tanto a nivel creativo como estamos viendo. Es el momento además de que la serie empieza a lanzarse y a ir hacia arriba de una manera rapidísima y también a nivel personal, porque digamos que él comienza también una evolución personal a partir de conocer a Chang. Lo has comentado, ese cambio, esa visión mucho más cosmopolita. Y eso también cambia la propia serie, porque a medida que va evolucionando la serie aparecen en la introducción del color, aparecen también cambios en la propia forma de publicación de la serie. Oui, oui. Il va y avoir toute une évolution d'Hergé. Pendant longtemps, son public est essentiellement belge. Il paraît en France dans la revue Corvaillant, au Portugal aussi, en Suisse, mais ça reste quand même sur le plan des albums assez concentré sur la Belgique. Il accumule en peu d'années une grande partie de son œuvre. Ici, ce récit qui introduit le fantastique, l'onirisme, qui est l'oreille cassée, plein d'inventions, plein de subtilités narratives. De nouveaux pays, mais aussi chaque fois une vivacité dans l'usage de tous les moyens de transport, de tout le dynamisme. Regardez la beauté du noir et blanc de Tintin à ce moment-là. Tintin pris dans la fumée du tunnel qui sort comme un véritable diable qui traverse wagon-restaurant. Ce n'est pas un Tintin aussi sage qu'on le croit souvent. Hergé qui fait entrer la télévision dans cette histoire, dont la première version date de 1937. Et c'est l'année où, en Angleterre, on fait les premières expériences de télévision. Donc, la technologie, la modernité est là. Et Tintin, Hergé, qui se soucie déjà de populariser son,
Son héros, il rêve d'objets, de déclinaisons multiples. Il rêve même, dès la fin des années 30, d'une boutique consacrée à Tintin. C'est assez amusant. Hergé qui commence à prendre des carnets pour noter des idées, pour ses scénarios, toujours à la recherche de nouveaux gags, mais qui en même temps va, dans le sceptre d'Ottokar, qui est conçu juste à la veille de la guerre, créer un pays imaginaire, la Sildavie, son alter ego, la Bordurie, pour évoquer les menaces de guerre, pour évoquer une situation politique très précise. Il crée ce pays, avec là on est très proche du monde des cités obscures, un pays avec sa mythologie, son art, sa géographie, son système politique, avec un roi assez inspiré du roi des Belges d'alors, le jeune roi Léopold III, pour lequel Hergé a une immense admiration. Et son admiration pour Léopold III le conduira à quelques errements pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on lui reprochera beaucoup, puisque au moment où la guerre éclate, où la Belgique est envahie, le petit 20e disparaît, la paix qu'Hergé souhaitait n'arrive pas. Et après un petit exode en France, il revient à Bruxelles et il va collaborer au journal Le Soir, qui est le plus grand quotidien belge, mais qui est maintenant contrôlé par les Allemands. Alors c'est dans ce journal que les aventures de Tintin vont connaître de nouveaux développements, pas politiques heureusement. Ce qu'on lui reprochera, c'est d'avoir collaboré à ce journal, mais pas d'y avoir fait des bandes dessinées de propagande. Mais il se concentre sur son propre univers, il fait apparaître le capitaine Haddock, qui est d'abord un alcoolique pitoyable, auquel Tintin va s'attacher et qui va s'attacher à Tintin. Tintin agit dans cette séquence magnifique de premier contact comme un psychanalyste, évoquant brusquement, face à cet homme qu'il ne connaît pas, sa pauvre vieille mère. Pensez à ce que dirait votre pauvre vieille mère, et ça provoque cette crise de larmes terrible, cet effondrement du capitaine Haddock qui a des conséquences narratives difficiles, mais qui montre que Tintin a vu juste et que leur amitié va se construire là-dessus, et que la rédemption de Haddock va bientôt se construire, même si dans cet album il y a beaucoup de rechutes. Et puis la guerre, c'est aussi le moment où, à cause de restrictions de papier et de l'acquisition d'une nouvelle machine par son éditeur, on passe les albums à un format plus court, mais à la couleur. Et donc ça va être une évolution très très importante, que la couleur, Hergé va devoir retravailler pendant la guerre. Il travaille sans arrêt, sans trop de soucis du monde extérieur. Il va devoir produire de nouvelles histoires, un strip quotidien dans Le Soir, et en même temps mettre en couleur ses anciennes histoires, ses nouvelles histoires. Apparition en même temps de Tournesol, d'autres personnages un peu abracadabrants au départ. Pas le grand savant qu'on va connaître, mais un bricoleur assez maladroit, avec sa machine à brosser les vêtements. Et Tournesol qui s'embarque en passager clandestin et qui va être d'une grande aide dans la recherche du fameux trésor de Rackham le Rouge. Alors on a le contraste là entre cet univers extraordinaire que Hergé commence à développer, ce monde de Tintin qui se peuple, et puis son aveuglement face à la situation politique. Lui qui pendant les années 30 a souvent été un analyste lucide, qui par exemple dans le sceptre d'Ottokar avait vraiment dénoncé l'Anschluss de l'Autriche par les nazis de manière métaphorique, et qui là ne voit pas ce qui se passe, ne pense qu'à Tintin, ne pense qu'à la popularité accrue de Tintin, et qui le payera assez cher. Donc là, c'est son ami Edgar Jacobs qui l'aide à faire la couleur, développer les 7 boules de cristal, Temple du Soleil, le style se nourrit de plus en plus de choses. Mais quand la libération arrive, peut-être on va s'arrêter là-dessus pour Hergé, mais quand la libération arrive, elle n'est pas très joyeuse pour Georges Romy. Il est dénoncé comme un collaborateur, arrêté, relâché, interdit de publication pendant 2 ans, et l'innocence, alors qu'il va avoir 40 ans, l'innocence s'arrête. Hergé sombre dans la dépression, dans la mélancolie, et tous les chefs-d'œuvre qui vont suivre vont naître très difficilement par intermittence dans des périodes extrêmement difficiles. Ici, on voit le capitaine Haddock déprimé, mais il y a un autoportrait d'Hergé tout aussi déprimé. On le voit ici avec ses parents, c'est un moment où sa mère devient sombre dans la folie. La folie qui était très présente dans Tintin disparaît à partir de ce moment-là. Hergé avec sa femme commençant à prendre pour la première fois des vacances, lui qui a travaillé sans discontinuer, mais Hergé mélancolique, disparaissant,
et le journal dans lequel il publiait, condamné à maquiller en blague, en histoire, en feuilleton, les disparitions d'Hergé, qui interrompt ses histoires abruptement et qui va se représenter après dans cet autoportrait très significatif comme l'esclave de Tintin. Vous voyez, Hergé a créé Tintin et il est devenu ici l'esclave sous le fouet de Tintin, et cet autoportrait mérite d'être pris peut-être au sérieux. Enfin bon, voilà, j'ai raconté ses aventures et beaucoup d'autres dans Hergé, fils de Tintin. Non, podríamos evidentemente estar He estado muchas horas hablando de Tintín. Habría además que recordar algo que no hemos hablado, es curioso, ¿no? El hecho de que Tintín fue un reportero que nunca hizo reportajes en ese sentido, pero fue el precedente directo. Il a fait un reportage dans Tintin au pays des soviets, mais il ne l'a pas envoyé. Bueno, de hecho, cuando se publicó en Le Petit Vingtième, había un anuncio, una nota por parte de Le Petit Vingtième que decía que daba fe de la autenticidad de las fotos que había mandado Tintín, haciendo una correlación entre la realidad de la viñeta como fotografía, que luego además, pues en cierta manera, el propio Hergé en los años 50 comentaba la posibilidad de utilizar el cómic para narrar noticias, para utilizarlo como medio periodístico, adelantándose a la utilización que tenemos hoy del cómic como medio periodístico, como en Joe Sacco, en tanta gente. En ese sentido, pues fue todo un adelantado. Hay una conexión, como antes decía Benoit, entre el universo de Tintín y también debemos pasar ya a su otra obra, Las ciudades oscuras. Tenemos poco tiempo y hay que ir pasando de una a otra. Hergé crea un universo, como decía Benoit, crea incluso ciudades, crea países, crea personajes, pero también hay otro universo creado por parte de Benoit, que es el universo de las ciudades oscuras. Hay también otra conexión. Tintín es una narración de viajes. Tintín es un personaje siempre de viaje, donde el protagonista va cambiando de escenarios. Y sin embargo, las ciudades oscuras es también el relato de un viaje. Un relato de un viaje literario en este caso, porque cada ciudad donde vamos a ir pasando, de Samaris a Orbicanda, a Bruselas, etcétera, etcétera, son caminos por la literatura también. Y, por otra parte, es la creación de un universo donde, curiosamente, en lugar de tener un personaje humano, tiene un personaje, en este caso, inorgánico, que son las propias ciudades. En las ciudades oscuras, los personajes son las propias ciudades. Y existe, en ese sentido, un claro enfrentamiento con la obra de Tintín, ¿no? El personaje único a lo largo de toda la obra, y en las ciudades oscuras tenemos una variación de personajes con esta creación. Las ciudades oscuras nace en su primer álbum, la primera colaboración es La muralla de Samaris, la primera colaboración con Skoyten, pero que de alguna manera tiene conexión con obras anteriores de Skoyten, como El Raíl, que digamos, de alguna manera avanzan lo que puede ser el universo de las ciudades oscuras. Aunque todo se ha dicho, vosotros os conocíais desde mucho antes de ese momento. Oui, j'ai commencé avec une photo d'Hergé tout petit. Notre photo à nous est moins mignonne, mais c'est une photo de classe. Nous avions 12 ans, nous étions dans la même école, des nouveaux l'un et l'autre. Et donc on voit sur la gauche François Skoyten et sur la droite moi-même. Et nous sommes très rapidement devenus amis, et François dessinait tout le temps. Les professeurs lui disaient « Quand arrêterez-vous de dessiner ?» Et moi, je voulais écrire, mais c'est une activité mieux tolérée par l'école, donc ça attirait moins l'attention. Et très vite, nous avons créé ensemble un petit journal à l'école, et puis aussi nous pratiquions la peinture sous la direction du père de François, qui était architecte de métier, mais un peu peintre de vocation. Donc notre collaboration, par certains côtés, c'est une collaboration d'enfants. Et puis François a continué la bande dessinée, a publié très tôt une première histoire dans le journal Pilote. Il avait 16 ans. Et puis des histoires avec son frère et avec son ancien professeur, Claude Renard, qui paraissait dans Métal Hurlant. Et il était très jeune, donc il était fidèle à l'intuition de son enfance. Et moi, je voulais écrire, et donc j'ai fait pendant mes études... Je ne menais peut-être pas aussi sérieusement qu'il l'aurait fallu, un premier roman, puis un second. Et quand nous nous sommes retrouvés, je pense que nous avions à peu près 22 ans, très vite, de manière très naturelle, nous avons eu envie de collaborer. Mais d'une certaine façon, nous avons repris notre collaboration. Nous avons voulu créer une histoire ensemble.
Et nous voulions la présenter au magazine qui me plaisait le plus, qui était À Suivre, parce que Métal Hurlant était plus dans l'éclatement graphique, dans le rock, et À Suivre était un peu plus littéraire, je me sentais plus à l'aise. Et puis pour François, c'était une façon de justifier un changement d'éditeur, c'est changement de collaborateur, changement de revue. Et nous n'avons pas pensé que nous allions créer toute une série. Nous n'avons pas pensé un instant que nous continuerions à travailler pendant longtemps. De même que quand j'ai rencontré Hergé pour la première fois en 1977, je n'ai pas imaginé une seconde que je serais en 2017 à Madrid pour parler d'Hergé. Et lui non plus. Il m'aurait traité encore plus gentiment. Enfin, il m'a déjà traité très gentiment. Et donc, dans À Suivre, on commence une histoire. Et voilà la première page de cette histoire qui finalement pose beaucoup de choses, c'est-à-dire qui fait exister d'abord une ville que l'on va parcourir, une ville qui n'est pas une ville réelle, qui n'est pas une ville de notre monde, et puis, ici encore légèrement, puis de manière plus importante après, un texte, un récit, une voix narrative, un personnage que l'on ne voit pas, que l'on ne découvrira qu'après trois pages, et qui nous raconte qu'il vient d'être chargé d'une mission difficile et dangereuse. Et donc, la ville et le personnage sont aussi importants l'un que l'autre. On peut même dire que visuellement, la ville, le décor, l'architecture sont encore plus importants. Et sans doute que nous sommes arrivés à un moment des développements de la bande dessinée où ce type d'histoire, ce type d'univers pouvait plaire. Il y avait beaucoup d'enfants qui avaient grandi avec Tintin, Spirou, Astérix, Blueberry, Philémon, etc. et qui peut-être étaient avides de découvrir un autre style de BD maintenant qu'ils étaient devenus de jeunes adultes. Je crois que souvent un art mûrit avec son public. Et donc, ce que nous avons fait, qui était un petit peu bizarre, a plu. Du coup, nous nous sommes dit, au moment où le premier album devait paraître, nous allons continuer, mais continuer non pas le même personnage, non pas la même ville, mais continuer le même monde. Et ce titre de Cité Obscure s'est imposé très vite. Et puis, il a duré. Alors, quelquefois, pour les traductions, c'est difficile. Les noms des villes et les noms de nos personnages, généralement, ont été conservés dans les différentes langues. Mais les cités obscures, le mot « obscur », suivant les pays, a un sens riche, ouvert, ou un sens plus limité. Je me souviens qu'au Danemark, ça s'appelait au début « les villes foncées ». En danois, évidemment. Les villes foncées, c'est moins bien. Aux États-Unis, les premières traductions étaient « The Cities of the Fantastic », ce qui était quand même très banal, très plat, qui aurait pu s'appliquer à 50 séries. Mais heureusement, en Espagne, c'est « Ciudades Oscuras », donc ça marche. Et pour revoir Paris, on verra si la traduction arrive à conserver tous les sens, mais ce n'est pas toujours possible. En tout cas, cette idée que les noms ne soient pas tous des noms francophones était très... C'est important, par exemple ici, Urbican, dans la deuxième histoire, il y a deux racines à ce nom. Hein, c'est Urbs, le latin, la ville, et Cand, qui en persan, que je maîtrise mal, signifie aussi ville. Donc Urbican, c'est la ville des villes. Mais ce n'est pas important qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Urbi, on le comprend vite parce que notre personnage est urbatecte, c'est-à-dire urbaniste en même temps qu'architecte. Mais Cand, ça fait joli, ça fait oriental, ça donne un peu cette notion mystérieuse qu'on cherchait et que je cherche toujours dans les noms des villes. La série va creciendo de forma casi orgánica, arborescente, y va generando todo este universo que no solo se expande dentro del mundo del cómic, sino que por primera vez vemos un artefacto transmedia en la definición que daba Jenkins de este concepto transmedia. Quizá antes podíamos haber pensado más en la época, pues, por ejemplo, de que comentábamos antes de que McKay ya hacía adaptaciones de animación, pero quizá el primer objeto que desde el cómic tiene esa concepción transmedia es las ciudades oscuras, en tanto en cuanto salta muy rápidamente a Internet, posiblemente sea la primera página web sobre un cómic, y también a la música, a ilustraciones, incluso hay una enciclopedia de las ciudades oscuras, es decir, pronto se va expandiendo ese concepto.
Oui, mais tout ça s'est fait finalement de manière assez spontanée, non prévue. Nous avons profité de rencontres, nous avons profité de circonstances. Par exemple, à un moment, François était invité régulièrement à réaliser des illustrations, des affiches, des sérigraphies, et il les faisait dans l'univers des cités obscures, en évoquant soit des éléments complémentaires à l'histoire qu'on venait de faire, soit des anticipations de futures histoires. Et ça a donné naissance à un livre comme L'Archiviste, ou plus tard comme Le Guide des Cités, qui ont été construits à partir de ces images, où là, on pourrait presque dire que c'est l'image qui servait de scénario. Moi, je les disposais, je les plaçais, je commençais à écrire, puis je disais à François, là, il nous faudrait une image de plus, là, il faudrait une image de plus. Donc, on inversait le rapport de collaboration. Puis, on a eu des occasions de petites expériences cinématographiques, d'expériences scénographiques. Et chaque fois, on a en profité pour développer un petit peu ce monde des cités obscures, pour lui donner de nouvelles dimensions, parce que, bon, je ne sais pas, c'est un univers qu'on explore. Et comme on l'explore, il est pas mal de pouvoir l'explorer avec plusieurs langages. Mais ça ne s'est pas fait avec un plan systématique. On ne s'est pas dit, nous allons être des auteurs transmédia. Je pense qu'on n'employait même pas le mot. Mais il est vrai que quand Internet est apparu, nous avons créé un site qui s'appelait Urbicande. Et Urbicande ayant développé un réseau, ce réseau pouvant faire écho des années après, à Internet, nous avons joué avec les images, nous avons proposé une sorte de labyrinthe d'images, et puis il y a eu d'autres choses qui se sont faites. Mais surtout, nous avons voulu que chaque album soit un enjeu différent, parce qu'un des problèmes de la bande dessinée, c'est souvent d'enfermer l'auteur dans une série qu'il a conçue assez jeune, dans un univers graphique et narratif qu'il a développé, et dont il peut devenir le prisonnier. Alors on ne voulait rien s'interdire, on ne voulait pas se dire... Ce sera toujours en couleur, parce que soi-disant c'est plus commercial, ou ce sera toujours en noir et blanc. Suivant les cas, un livre est une bande dessinée au sens classique, ou un livre accueillant plus d'illustrations, le thème appelle la couleur, mais même, vous savez, même la couleur ou le noir et blanc laisse énormément de possibilités différentes. Et dans une histoire comme La Tour, par exemple, non seulement c'est en noir et blanc, c'était vraiment inscrit comme un roman noir et blanc dans la revue à suivre, mais... nous avons introduit, presque comme un accident, vers la 40e page, de la couleur. Comme s'il y avait une tache, comme s'il y avait quelque chose qui s'était mal passé. Et cette couleur est réservée dans l'histoire à des tableaux qui sont comme le secret de l'histoire. Dans un autre de nos récits, l'enfant penché, il y a la photographie qui s'introduit et qui se croise avec le dessin. Ce sont des expériences qui correspondent probablement à un goût que nous avons l'un et l'autre pour des formes différentes. Sans doute aussi à l'influence du père de François, qui, par exemple, quand nous faisions de la peinture comme enfant, nous emmenait voir un jour une exposition de Delacroix et puis une exposition de Miro, et nous disait chaque fois, le jour suivant, maintenant vous allez faire un tableau genre Delacroix, et puis vous allez faire un tableau genre Miro, genre Rembrandt. Après, il disait, c'est moins bien. Ah ben oui, c'était moins bien, mais au moins on avait essayé, ou des papiers collés, des papiers découpés comme Matisse. C'était toujours des expériences. Je pense que François a gardé cette empreinte assez forte et cette idée qu'il faut chercher, même s'il est difficile d'échapper à son propre style. Una cuestión que me asalta al ver las ciudades oscuras es que quizás siempre se tiene esta tendencia reduccionista a pensar que cuando hay dos creadores en un cómic, en el mundo del cómic, uno estrictamente hace la parte literaria y otro hace estrictamente la parte gráfica. Yo creo que las ciudades oscuras es el mejor ejemplo donde se puede descubrir o intuir que evidentemente esto no es este reduccionismo y que la labor del guionista aquí tiene que ser una labor conjunta, prácticamente inseparable a la del dibujante, porque es una obra visual, es una obra que desde su concepción tiene que ser visual, ¿no? Oui, il faut se souvenir que beaucoup de grandes œuvres de bande dessinée ont été créées par une seule personne. Töpfer, Winston Mackey, Hergé et bien d'autres, Harriman, ont été capables de créer le scénario, le texte, le dessin, les couleurs. Et donc, c'est peut-être la magie même du médium. Pour nous qui sommes dans la situation de collaboration, c'est-à-dire qui estimons que chacun peut apporter à l'autre une dimension, nous essayons un petit peu de nous rapprocher de cet état de l'auteur complet, mais nous nous en rapprochons par un dialogue incessant. C'est-à-dire que le thème naît de notre dialogue, de nos envies communes. Le thème
n'est pas quelque chose que j'imaginerais tout seul de mon côté. Il faut que François se sente vraiment dans le désir de le dessiner. Et puis à un moment, j'écris un premier synopsis, il fait des premières esquisses, des personnages, de la ville, et puis nous réalisons ensemble, chapitre par chapitre, le storyboard. Et donc là, je suis vraiment à côté de lui, à la table à dessin, en essayant de trouver des situations intéressantes à dessiner, intéressantes pour le lecteur, mais aussi intéressantes pour le dessinateur. C'est très important. Et puis, quelquefois, nous faisons des repérages ensemble, par exemple, dans l'histoire Bruxelles, qui est une transposition de Bruxelles. Eh bien, nous avons, pour revoir Paris, ça a été le cas aussi, je connaissais mieux Paris que François, nous avons fait beaucoup de repérages en commun, nous cherchons ensemble de la documentation. Et quand les pages sont au crayon, donc c'est un état déjà assez abouti, mais non définitif, je revois un groupe de pages, et parfois on enlève un texte, on en ajoute, on modifie un détail du dessin, pour que cette matière reste vivante et qu'on puisse jusqu'au bout se sentir l'un et l'autre auteur de l'histoire. Précisément, comme comentabas, Volver à Paris, votre última collaboration de François Aitou, qui acaba de ser publicada en España por Norma Editorial, es un álbum que parece parte de la continuidad de las Ciudades Oscuras, pero no pertenece al ciclo de las Ciudades Oscuras, donde ya existe un París, existe una versión de París en este universo particular. Volver a París es otra cosa, mientras que en las Ciudades Oscuras estamos hablando de ese futuro anterior, de ese futuro que nunca existió, aquí se está planteando un futuro posible, realmente una posibilidad de ver ese posible futuro que pudiera tener el país. Está relacionado también con este concepto del Gran París, de la evolución de lo que puede ser la concepción de París en un futuro. Claro, pese a que Volver a París no pertenece, como digo, al ciclo de las Ciudades Oscuras, es difícil no pensar en Volver a París como una parte más del ciclo. Je glisse rapidement sur des images d'autres histoires. Il est vrai que François a longtemps été un pur bruxellois et que Bruxelles nourrissait un petit peu l'imaginaire des cités obscures à travers les différents albums. Mais il s'est rapproché de plus en plus de Paris, notamment à travers des réalisations comme cette station de métro qu'on va retrouver dans l'histoire de Revoir Paris, la station de métro Arts et Métiers, qui est à deux pas du musée des Arts et Métiers, un musée des techniques au centre de Paris, très beau musée, avec le pendule de Foucault. D'ailleurs, le roman de Umberto Eco, Le pendule de Foucault, démarre dans ce musée. Et François a conçu la station de métro en 1994. Elle est toujours visible aujourd'hui. Vous voyez, ça a été construit réellement. Ce n'est pas resté un dessin. Ça, c'est du transmédia en dur. Le père de François, qui voulait toujours qu'il devienne architecte, aurait été quand même content. Et donc, c'est aussi une manière peut-être de faire entrer de l'imaginaire dans quelque chose de réel et même de fonctionnel, hein, quoi de plus fonctionnel que le métro, et quelle apparition étrange qui rend à la fois hommage au musée, qui rend hommage à l'imaginaire de 20 000 lieues sous les mers, etc., mais qui, en même temps, introduit cette petite étrangeté au cœur de la ville, comme nous l'avons fait d'une autre façon à Bruxelles, je ne vais pas m'attarder là-dessus, avec une maison de Victor Horta. Et donc, j'arrive à Revoir Paris. Et Revoir Paris travaille non plus sur un monde qui s'est développé différemment d'une autre dans l'espace-temps, mais sur une projection, sur une proposition, puisque c'est une histoire qui se passe en 2156, c'est-à-dire exactement deux siècles après notre année de naissance commune à François et à moi. Nous sommes tous les deux de 1956. Et donc là, 2156, notre espérance de vie, même avec les progrès de la science, ne peut pas nous conduire jusque-là. Et donc, si le monde et Paris ne ressemblent pas exactement à ce que nous avons décrit, nous ne risquons pas d'avoir les récriminations des lectrices et des lecteurs du futur. Et cette histoire met en scène une héroïne métissée, franco-japonaise, vivant dans une colonie spatiale lointaine, et qui, comme beaucoup de gens, rêve de Paris. Mais elle rêve d'un Paris qu'elle n'a jamais vu, et elle a collectionné énormément d'images sur Paris, des images réelles, des images plus douteuses, et elle parvient à se glisser dans ces images, comme par exemple celle d'Albert Robida, qui est un contemporain de Jules Verne, qui a imaginé Paris au XXe siècle.
Et donc, imagine des embouteillages aériens. Et pour elle, tout ça est un peu sur le même plan de réalité que des images de la Tour Eiffel, qui après tout a été une utopie à un moment, ou de Notre-Dame de Paris, ou des Halles. Et nous racontons le voyage qu'elle va accomplir vers Paris, d'abord en se baignant dans les images de ce Paris qui la fascine, et puis en y étant confrontée, et là on touche à des problèmes urbains, des problèmes sur le devenir des villes, sur la muséification, qui sont aussi des problèmes qui nous intéressent en tant que citoyens. Donc il y a toujours un mélange dans nos histoires entre des thématiques qui nous préoccupent, qui nous parlent, parfois architecturales, parfois qui sont plus directement politiques, et une forme de fantaisie. Ce qui fait que le lecteur qui chercherait un message clair est un peu déconcerté, peut-être. Mais nous aimons ce petit flottement que la fable et la métaphore peuvent donner et qui font aussi que, suivant les lecteurs, suivant le pays où l'histoire est lue, suivant la génération de lecteurs, des associations se font et d'autres pas. Il y a par exemple des lecteurs de Revoir Paris qui ont découvert Albert Robida à travers notre album. Et ils sont revenus vers Robida et les amis d'Albert Robida, qui édite une revue, sont plutôt des messieurs très âgés, nous ont remercié qu'un nouveau public s'intéresse à Robida. Donc c'est aussi une façon de faire circuler les signes. Voilà, on peut mélanger, on peut être influencé par quelqu'un, mais en même temps, en lui rendant hommage, le remettre peut-être dans le champ de l'imaginaire, d'un imaginaire vivant, parce qu'il est réinvesti, le mélanger avec Perret, qui lui était un urbaniste tout à fait réel, mais qui, quand il imagine cette allée d'immeubles tours, évidemment, n'est suivi par personne. Peut-être tant mieux. Peut-être heureusement, mais pour nous, c'est une image merveilleuse. Alors on entre dedans, on la fait exister le temps des rêveries. Et puis on fait exister cette image d'un Paris, d'un cœur de Paris, d'un centre de Paris sous cloche, réservé strictement à des touristes fortunés qui sont là dans une ville parfaitement climatisée, avec un jeu de lumière, de saison, qui tombe toujours bien, de la neige quand on en a envie, mais pas trop, la neige sans le froid, enfin bon, un rêve trumpien, somme toute. Et donc, ce monde, suivant qu'on feuillette l'album ou qu'on le lit, on n'en a peut-être pas la même perception. On peut être frappé par le côté joli, séduisant, et c'est vrai que François a besoin de s'investir dans les images, de trouver que c'est désirable, que c'est beau d'une certaine façon, mais en même temps, il est tout aussi conscient que moi que certaines de ses idées peuvent tourner au cauchemar. De hecho, hay una crítica muy evidente en este álbum a esa concepción de la ciudad como una especie de muestrario para el turismo, donde la propia ciudad deja de tener su función de ciudad, de lugar donde vivir. De alguna manera, este París ha echado fuera a los habitantes de París para dejarlo simplemente como una especie de gran expositor, de gran decorado que visitar. Y esa crítica se ve muy, muy claramente, ¿no?, en vuestra obra. C'est un problème qui ne se pose pas qu'à Paris. Beaucoup de villes européennes sont gagnées par la muséification. Nous la poussons ici jusqu'à un point limite. Par exemple, on a reconstruit les halles de Baltard, qui avaient été démolies dans les années 70, parce que les touristes les réclamaient. Alors on reconstruit une réplique, et puis une réplique évidemment souriante, une réplique qui tient un petit peu du parc, du jardin. Donc il y a quelque chose là d'agréable. Moi, j'aimerais bien aller me promener ou emmener des enfants dans les halles de Baltard reconstruites avec des girafes. Mais en même temps, à quel prix cela se fait-il? Et quand le tourisme devient l'économie majeure d'une ville, ou l'économie unique d'une ville, les mécanismes d'exclusion sociaux qui sont déjà très fortement à l'œuvre dans une ville comme Paris se renforcent. Et évidemment, nous montrons aussi dans l'histoire que ce Paris parfait, ce Paris où il n'y a plus rien qui ne soit pas parisien, puisque le baron Haussmann n'a pas pu terminer le style qu'il voulait donner à Paris, puis des monuments ne plaisent plus, donc on les élimine, on en reconstruit d'autres. On peut dédoubler certains musées pour que les gens puissent les visiter plus agréablement. On peut les rapprocher les uns des autres pour éviter les fatigues inutiles. Évidemment, tout cela se paye du fait que tout ce qui est autour de ce cœur historique est abandonné, devient une sorte de no man's land, et que l'intérieur, la frontière à l'intérieur même de la ville, est une frontière absolument étanche qu'on ne franchit que suivant des autorisations très difficiles à avoir. Et pour les autres touristes, des touristes de seconde classe, il y a des simulacres. Donc il y a autour de Paris
des répliques, des parcs d'attractions qui permettent aux moins fortunés, mais un peu fortunés quand même, de visiter Paris. Donc là, ce n'est plus simplement Euro Disney, c'est un Paris disneyisé qui est proposé. On joue évidemment avec des thèmes qui ont l'air d'être des thèmes d'anticipation, mais qui en réalité sont aussi une manière de parler de choses que nous vivons tous aujourd'hui, mais nous les traitons non pas sur le mode d'un manifeste, mais sur le mode d'une rêverie, d'une fantaisie où des aspects peut-être heureux ou amusants se mêlent à des aspects plus effrayants, et puis tout ça dans une quête individuelle d'un personnage qui cherche pas seulement à retrouver Paris, mais à travers cette ville à découvrir qui elle est. Parce que il y a quand même, bon là quand on montre des images, j'insiste beaucoup sur la thématique urbaine. Alors vous remarquez des bonnes choses, là parmi les bonnes choses du Paris de 2156, c'est l'état remarquable de conservation de la station de métro Arts et Métiers, et d'autant plus remarquable que le métro a quasiment disparu, parce que les touristes n'ont pas envie de passer leur temps sous Paris, donc on a juste conservé deux stations un petit peu emblématiques, dont Arts et Métiers, voilà. Mais nous avons fait, il faut dire, nous avons présenté une exposition au musée des arts et métiers. Donc voilà, il y a aussi des clins d'œil, il y a des private jokes aussi chez Hergé. Et je crois que dans toutes les œuvres, il y a des private jokes. Et parfois, le lecteur ne les décode pas, mais ce n'est pas grave, certains les décodent. Savez-vous que la langue des Sildaves, de la langue de la Sildavie, mais aussi la langue des Arumbaya dans l'oreille cassée, sont inspirés du marolien, qui est le patois bruxellois, le patois de l'enfance d'Hergé. Alors, que font les traducteurs avec ça? Déjà, le lecteur belge arrive à peine à lire le marolien, il faut un dictionnaire, le lecteur français n'y comprend rien, mais alors une fois que c'est traduit en chinois, que reste-t-il de cette intention? Qu'en a-t-on fait de ces blagues, y compris politiques, qui constelle l'œuvre d'Hergé? Bon, je fais peut-être un raccourci rapide, mais on a la devise du roi de Sildavie qui était Ei Benek, Ei Blevek. Et donc, c'est supposé signifier qui s'y frotte, s'y pique. C'est comme ça qu'il a brandi son sceptre. Mais en bruxellois, en dialecte bruxellois, ça signifie j'y suis, j'y reste, ce qui est une définition un peu plus simple du pouvoir. Des mécanismes du pouvoir. Donc vous voyez là, vous avez une blague, c'est-à-dire il y a un mythe, le mythe politique qui s'y frotte, s'y pique, et puis derrière une blague, c'est-à-dire le roi qui dit j'y suis, j'y reste, c'est une définition assez acceptable de la monarchie. Hemos hecho una revisión bastante amplia, hemos llegado a la actualidad, yo creo que es el momento de dejarle al público que si tiene alguna pregunta, aprovechar que tenemos aquí a Benoît, pues cualquier pregunta que tengáis sobre Tintín, sobre las ciudades oscuras. Tenemos aquí al mayor especialista en Tintín y al creador, a uno de los co-creadores de las Ciudades Oscuras. Creo que es el momento de aprovechar y hacer cualquier pregunta a Benoît. ¿Qué lo digo en español, en francés? Lo... Bueno, je vais le faire en français parce que ce sera plus simple, je pense. J'ai deux questions. La première est... s'il y a-t-il une relation entre les cités obscures et les villes invisibles d'Italo Calvino, si c'était une référence pour vous? Et la deuxième question, l'exposition de la Cité du patrimoine et de l'architecture était pensée dès le début de la conception de l'album Revoir Paris. Merci. Je montre pendant ce temps-là, on pourra réduire le volume sonore, la création. Ah, pour l'instant, ça ne. Il faudrait que je mette ma fiche. Je vais montrer une Françoise Keuten au travail dans la création d'une. Un petit instant de réglage. Mais ça ne nous empêche pas de parler. Il faut dire que Françoise Keuten, qui n'est pas avec
moi ce soir évidemment, et celui sans qui tout ça ce serait resté des idées, des concepts, du bavardage, et qui a ce travail, cette assiduité, une semaine par page, tout ça est très très important. Le temps de travail ne s'est jamais, n'a jamais diminué malgré le métier, l'expérience, et François ne cherche pas à l'accélérer, et il a toujours ce désir de tout contrôler artisanalement, de travailler lui-même ses couleurs à la main, sans ordinateur, etc. Alors du coup j'ai un peu perdu le fil du début de la question. Je me souviens de la seconde partie qui était sur la cité de l'architecture. Preguntaba sobre si hay una relación entre las ciudades oscuras y las ciudades invisibles de Italo Calvino. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'œuvres littéraires qui nous ont marqués. Et Italo Calvino fait partie, bien sûr, même si c'est un traitement extrêmement synthétique de ville, et c'est aussi un livre qui s'inscrit dans la continuité d'une œuvre très importante qui est le récit de Marco Polo, les voyages de Marco Polo qui nous ont beaucoup intéressés. Mais il y a Borges, il y a Kafka, il y a Jules Verne, il y a Julien Gracq, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui font partie de la bibliothèque imaginaire des cités obscures. Mais il y a aussi des cinéastes comme Fritz Lang ou Orson Welles. Il y a aussi des peintres, des graveurs. Enfin, je veux dire, c'est un mix de références qui évolue petit à petit au fil des années. Je pense que les villes invisibles ont compté tout au début. Et par contre, aujourd'hui, c'est tout à fait d'autres genres de sources qui nous inspirent. Alors, quand on fait une histoire, on se documente énormément. Dans le cas d'une histoire comme Paris, on s'est beaucoup documenté par exemple sur les utopies auxquelles Paris avait donné naissance, et on avait accumulé tellement de documents qu'on avait à un moment le sentiment que l'histoire ne pouvait pas les intégrer, que ça ne pouvait pas vraiment faire pleinement partie de l'histoire. Alors l'envie de faire une exposition qui complète et qui donne l'arrière-plan a été très importante, et elle a été bien accueillie par la Cité de l'architecture et du patrimoine, qui est un très beau lieu, et donc on a pu monter une exposition. Et puis pour le tome 2 de Revoir Paris, on a monté cette exposition Machines à dessiner pour le musée des arts et métiers, et on voit ici la création de l'affiche de cette exposition, donc le vrai dessin qui est filmé plusieurs jours durant, pas comme on le fait parfois à la télévision, de faire semblant de dessiner avec 3 ou 4 traits sur un dessin déjà à peu près terminé, mais vraiment les étapes de la création, les vrais outils, les vrais instruments. Et c'est vrai que c'est part de documentation, que ce soit les machines, que ce soit les immeubles, l'architecture, elle est très très importante. Et s'il y a de l'imagination, cette imagination se greffe vraiment sur la documentation. Peut-être que là aussi, on est d'une certaine façon des héritiers d'Hergé, qui ne voyageaient pas. Hergé ne voyageait pas réellement, nous avons voyagé plus que lui, mais qui se documentait énormément et qui a donné de l'authenticité à ses histoires en accumulant des revues pendant des années. Il découpait toutes sortes de choses, grandes ou petites, parfois pour une simple silhouette d'arrière-plan, pour une petite boutique, etc. Il y a cette masse de documentation. Et François Skuyten, qui possède une bibliothèque considérable, parfois achète un livre uniquement sur l'architecture des ponts au XIXe siècle, et donc un gros livre. Et après, il a des références très, très nombreuses de ponts. Et puis, dans Revoir Paris, nous avons fait ensemble des repérages très précis. On voit même, d'ailleurs, au début du tome 2, sur les pages de garde, un plan qui permet de suivre exactement la trajectoire. Ça peut faire une occasion de visite, puisqu'on a quand même choisi des endroits assez intéressants, donc on peut visiter avec l'album et voir la part de réalité et la part d'interprétation qui a été faite. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait autrefois, on était peut-être un peu moins accroché au réel, peut-être que dans une prochaine histoire on le sera moins, mais dans Revoir Paris, c'est très très présent. Tenez alguna pregunta más? Sí, muchas gracias por tenerle. Es un placer y un lujo la cantidad de historias y de lecturas que usted nos ha propiciado. O sea, muchísimas gracias de antemano. Siempre me ha inquietado y me gustaría saber un poco o cómo me explicaría. Yo soy arquitecto y veo que su mundo está muy relacionado con el mundo de los arquitectos y la arquitectura, pero siempre me ha sorprendido que en casi todos los
dibujos y los espacios arquitecturizados de ideas tremendamente muy vanguardistas, la escenografía, el lenguaje arquitectónico, está muy referenciado a arquitecturas muy pretéritas. Hay mucha arquitectura Art Nouveau, hay mucho lenguaje incluso medievalista, hay mucho Violet Le Duc, hay y siempre me ha extrañado en la mayoría de los cómics y de los dibujos de tanto de Hergé, que era un hombre de línea clara y por tanto tenía una búsqueda de la abstracción en la construcción de sus dibujos, cómo se rodeaba de una arquitectura figurativa y no se acompañaba de la arquitectura contemporánea moderna que estaba en aquellos momentos, en Francia y en Bélgica, tremendamente y rabiosamente rompiendo con los cánones eclécticos de la arquitectura. Y eso se traduce en casi todos los textos de arquitectura. De hecho, yo doy clases en la universidad, en la escuela, y siempre me sorprende cómo muchas veces los alumnos reclaman por qué la arquitectura contemporánea, la arquitectura más abstracta, forma tan poco parte del imaginario y del repertorio creativo de los artistas plásticos y de los escritores. Alors, dans le cas d'Hergé, il ne faut pas oublier l'époque où il a travaillé, et, essentiellement dans les années 30, 40 et 50. Et finalement, par rapport au monde qu'il connaissait, il a souvent représenté assez bien ce qui existait. C'est-à-dire que, par exemple, les grandes métamorphoses de Bruxelles sont plus tardives. Et dans beaucoup de pays qu'il dessine, quand il dessine le Pérou, évidemment, ce n'est pas le moment de représenter une architecture moderne très forte. La modernité, il la donne davantage par la technique, par les engins, la conquête spatiale très documentée, etc. Dans notre cas, c'est vrai que c'est plus étrange. Notre univers est un univers un petit peu de rétro-futurisme. Nous reprenons les choses à l'époque de Jules Verne et nous imaginons un devenir possible où des costumes parfois archaïques se mêlent à des architectures monumentales ou des architectures... Art Nouveau, Art Déco, mais nous n'allons guère au-delà finalement des années 30 et 40, même si dans Bruxelles, nous imaginons une ville qui se rêve un peu à la new-yorkaise. Nous avons fait une histoire courte qui met en scène la naissance, une naissance fantasmatique du centre Pompidou, qui sort des cauchemars d'un médecin atteint de maux de tête. Nous avons situé une histoire courte à Brasilia, une ville que nous avons découverte, mais sinon peut-être parce que le père de François était un architecte moderniste qui ne jurait que par Le Corbusier, peut-être avons-nous pris des orientations un peu différentes. Il est vrai aussi que nous ne cherchons pas à concurrencer les architectes sur leur terrain, mais à avoir des objets qui sont graphiquement stimulant à dessiner. Mais comme nous envisageons, après les cités obscures et dans la continuité de revoir Paris, de faire les cités futures, donc d'autres villes, peut-être serons-nous amenés à aller un peu plus loin sur ce terrain de l'architecture contemporaine. Et nous connaissons bien un certain nombre d'architectes et nous avons au cours de nos voyages souvent eu l'occasion de rencontrer des architectes très modernistes ou radicaux. Donc voilà, c'est peut-être encore des possibilités qui existent pour nous. Mais c'est vrai que, grosso modo, nous n'avons jamais cherché à traiter l'histoire de l'architecture en bande dessinée, mais plutôt à revisiter des fragments de l'imaginaire architectural et de l'imaginaire urbain. Solo pour puntualizar, curiosamente, tenemos un caso donde sí que se utiliza la arquitectura contemporánea y es en un seguidor de la línea clara que es Daniel Torres. Daniel Torres como dibujante precisamente, y posiblemente también toda la escuela de Chaland, precisamente sí que focaliza sobre esa arquitectura más contemporánea. Curiosamente es un seguidor de la línea clara. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo explicaría la influencia de Rovira en su tiempo, que realmente fue muy... muy popular, pero sin embargo no tuvo influencia en ese París
contemporáneo. O sea, ¿qué es lo que pasó? Alors, nous sommes très sensibles à la fantaisie et à l'humour de Robida, par exemple, sa manière de gérer les embouteillages aériens, c'est tout à fait euphorique. Les costumes utilisés par ces messieurs et ces dames dans ces véhicules, c'est quelque chose qui témoigne d'une sorte de goût de l'avenir. Pourtant, Robida semble, à la fin de sa vie, avoir dit que tout cela était une critique, une mise en garde. Mais quand nous le lisons aujourd'hui, nous avons plutôt le sentiment de quelque chose d'euphorique. Et c'est aussi quelque chose qu'on a vu chez beaucoup d'architectes, d'urbanistes, de rêveurs de ville dans les années 50, et dans des revues comme Science et Vie en France, mais certainement partout à travers le monde, des revues qui révèlent en 2000, qui nous racontaient des villes aériennes, des villes sous-marines, des structures en apesanteur. Et très étrangement, plus on s'est approché de l'an 2000, moins on l'a rêvé. Plus on est revenu sur Terre, si j'ose dire, on parle aujourd'hui très peu de voitures volantes, d'avions individuels, de petites capsules, et par contre on a vu des utopies totalement inattendues se développer, comme Internet ou les téléphones mobiles, qui n'étaient apparus dans aucun de ces grands imaginaires de l'an 2000. Donc voilà, c'est assez étrange. Aujourd'hui on est plutôt dans un rapport désenchanté, et donc nous nous préoccupons davantage des drames d'un progrès mal maîtrisé ou d'une consommation énergétique mal maîtrisée que de ces visions euphoriques de transport accessible à chacun. C'est vraiment peut-être un moment où l'utopie peut retrouver une place pour sortir simplement de cette comment dire, oui, de ce temps désenchanté. On a besoin de rêver à nouveau la ville, on a besoin de rêver le futur, mais avec d'autres codes, et pas forcément dans cette ligne uniformément accélérée, ce progrès toujours continué qui, pendant longtemps, chez Jules Verne déjà, dans beaucoup de ses livres, chez Robida, mais chez beaucoup d'autres, chez Le Corbusier, etc., chacun dans leur langage, ont pensé qu'on allait continuer vers des vitesses toujours accrues, des villes toujours plus grandes, des immeubles toujours plus hauts, etc. Je crois qu'aujourd'hui, l'imaginaire utopique peut partir dans des directions tout autres, et par exemple sur une réconciliation de la ville et de la proximité, sur une réhabilitation de l'échelle du corps humain, sur des rapports différents de la nature et du bâti. Enfin bon, voilà, ça me semble des directions plus stimulantes aujourd'hui que le gigantisme. Et donc nous regardons aussi des utopies comme celle de Robida avec un œil amusé. Elles sont devenues de purs fragments de poésie. Tenemos tiempo para una pregunta más. Non, c'est juste un commentaire pour répondre à monsieur l'architecte. Finalement, c'est plutôt André Franquin et le Stilatome qui ont utilisé les codes de l'architecture rationaliste davantage que Hergé ou que vous-même. Donc, la BD contemporaine franco-belge, c'est l'autre volet, l'école de Marcellène, qui a plutôt vraiment pris justement les codes de cette architecture plus moderniste. Quand on voit les villas où habitent Spirou et Fantasio, enfin même les voitures, il y a aussi ce style beaucoup plus futuriste, plus agressif, dont l'Atomium de Bruxelles peut être le symbole, par rapport justement à cette espèce de richesse foisonnante qu'on trouve dans votre œuvre et dans les dessins de Squitten. Oui, c'est certain que des gens comme Franquin, particulièrement, aimaient dessiner le mobilier moderne, les voitures modernes, la miniaturisation, les transistors, etc., à un moment où Hergé a quand même installé ses personnages au château de Moulinsart. Donc là, Hergé, qui est moderniste, par beaucoup de traits, est porteur en même temps d'une forme de tradition. Il est certain que même si les personnages continuent à voyager, le repli dans ce parc et ce château raconte aussi quelque chose. Ce n'est pas la même génération
de dessinateurs. Et de même, nous sommes aussi d'une autre génération. L'Art Nouveau qui fait aujourd'hui l'orgueil de Bruxelles et l'architecture de Horta, qui est vraiment une des curiosités majeures de la Belgique, a été méprisée à cette époque de Franquin, où on dessinait les pavillons, on dessinait les immeubles, les stations-service avec une grande euphorie. Et peut-être que ce qui nous fait rêver ou nous frappe paraîtra kitsch dans quelques années. Je pense qu'on a des rapports générationnels comme ça qui font que ce qui a été méprisé par la génération d'avant, par exemple la forme de la ville traditionnelle méprisée par toute la charte d'Athènes et tous les continuateurs de Le Corbusier, ça crée à un moment un désir, un retour de modèle urbain plus traditionnel, à une revalorisation de la ville ancienne, mais qui peut conduire à ses propres aberrations et à quelquefois un dédain pour de l'architecture contemporaine énergique qui mérite bien autre chose. Donc, il faut reconnaître aussi que nos goûts comme personnes, comme citoyens, comme voyageurs, ne se reflètent pas toujours entièrement dans les albums. Les albums suivent leur propre logique, qui sont liées au plaisir du dessin. Par exemple, François Skuyten n'a aucun goût pour dessiner une rue d'aujourd'hui, des voitures d'aujourd'hui. Il n'y a pas de plaisir, il y a beaucoup plus de plaisir à dessiner une ancienne machine avec ses rouages, ses poulies, ses pièces de métal. Il n'aurait aucun plaisir à dessiner une histoire avec des téléphones mobiles, parce que ce n'est pas un objet ou un ordinateur, ce ne sont pas des objets très intéressants pour un dessinateur. Ils sont designés, mais ils ne se prêtent pas à être dessinés. Donc il y a les goûts et les curiosités qu'un auteur peut avoir, qu'un dessinateur peut avoir, et puis il y a ce vers quoi son travail le conduit, comme malgré lui. Par exemple, moi, j'aurais adoré écrire des histoires très drôles. En fait, mon amour d'Hergé, c'était aussi un amour de tout l'humour et de toute la dimension de comique pur qu'il y a dans Tintin. Et puis, je suis tombé, et j'en suis bien heureux, sur un dessinateur au style sérieux, comme François. Et donc, j'ai développé des histoires assez sérieuse. Pourtant, quand nous les imaginons ensemble, nous rions beaucoup. Mais nos lecteurs, même quand ils trouvent ça drôle, ne s'autorisent pas tout à fait à rire. Alors j'avais lu un jour dans une critique qu'il y avait des aspects involontairement humoristiques dans une histoire. Elles étaient quand même assez volontairement humoristiques. Mais le style un peu sérieux, le caractère un peu, je sais pas, grave de Cité Obscure, fait que le lecteur pense que s'il sourit, je ne dis pas qu'il rit aux éclats, que s'il sourit, c'est par accident et que l'auteur serait assez mécontent. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez, j'aurais aimé développer peut-être des récits avec plus de légèreté, de fraîcheur ou d'humour. Et puis, la vie vous conduit vers d'autres choses. Et quelquefois, des gens me rencontrent et disent « Ah, mais vous êtes quand même beaucoup plus amusant que je ne l'imaginais après vous avoir lu. » C'est le cas, vous avez des, je ne sais pas, moi j'ai écrit la biographie du grand philosophe Jacques Derrida, qui est l'image même du personnage intimidant, et c'était un homme extrêmement enjoué, aimant la vie et pouvant passer une soirée très simple à écouter de la musique arabo-andalouse sans faire de la déconstruction. Mais l'image qui s'est créée, il en est peut-être involontairement responsable. Et Hergé, qui était un personnage souvent mélancolique et assez sombre par beaucoup de traits de tempérament, a donné à des générations de lecteurs le sentiment d'être l'homme le plus drôle et le plus sympathique du monde. Donc il y a une chose qui est ce que nous sommes, une autre ce que nous croyons être, une troisième ce que nous rêvons d'être, et puis après il y a ce que nous pouvons faire, vaille que vaille, avec nos talents et nos limites. Bueno, creo que ya quedaba alguna pregunta. ¿No? Ça avait un peu la fonction d'un mot. Bueno, yo creo que ya, por lo tanto, es momento de acabar. Precisamente me parece perfecto acabar con la respuesta que ha dado Benoît, porque este encuentro nos ha permitido ir más allá de esa seriedad que vemos en las ciudades oscuras, de esa rigurosidad de la obra, para encontrarnos con un autor y precisamente con todo eso que no vemos cuando leemos la obra, y además con la sabiduría y los conocimientos de Benoît. Muchísimas gracias al Instituto Francés por haber tenido la suerte de tener a Benoît. Muchísimas gracias, Benoît, y muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias.